d'autres aumôniers à Sainte-Cécile? Il y a d'autres? Ah oui, et du coup, il a peut-être carte libre. Enfin, tu vois, il est peut-être plus autonome là-bas. Et... Virginie et moi, nous allons rencontrer le père Jacques Doublier. Le père Jacques Doublier est un prêtre qui a à peu près 95 ans. Il nous dira lui-même, je ne suis pas à quelques mois près, à cet âge-là d'ailleurs. Et donc, il fait partie des prêtres âgés du diocèse. Notre évêque, le père Blacard, a souhaité qu'il y ait une cellule de bénévoles, de gens de bonne volonté, qui se mettent en place pour accompagner les prêtres âgés. Et notamment pour les rencontrer, évidemment, et voir un petit peu un certain nombre de points qui concernent leur santé, qui concernent leur logement, qui concernent leur réseau amical ou relationnel, et surtout qui concernent leur desiderata pour l'avenir, voilà. Et là, nous allons donc rencontrer Jacques, qu'on a déjà vu il y a un an, d'ailleurs. Et on recommence, hein. Bonjour, père. Allez, on y va? On vous suit. Jacques Doublier, prêtre depuis 944, donc 72 ans de sacerdoce et 95 ans d'âge. Merci bien, j'ai pris un petit thé. Je fais pas de et François thé. Prend une j'ai tisane. J'ai pris un truc pour la digestion, parce que ça peut s'en servir. Avec ça, on merci bien. Ça fait plaisir de te voir. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. C'est pas uniquement lié aux circonstances que j'espère pas. Il commence avec un coup dans son soi. Ah, bah... Non, c'est bien de te voir. C'est côté amical. Ce mode de vie te convient bien, quoi. Vous êtes heureux de pouvoir vivre ici? Voilà. Je réponds pas à la question, puisque... c'est pour ça que j'ai demandé à rester par ici. Ouais. Oh, ça fait 20 ans, alors je connais quand ça même tâche, les hein. gens, bah oui. ça date. Il y avait le choix ou maison de retraite à Beaune ou le presbytère. Mais l'EAP a mis le paquet pour que je reste ici. Notre cellule d'accompagnement, on n'est vraiment pas là pour mettre les prêtres dans les maisons de retraite. Hein. C'est pas notre but, d'ailleurs on préfère de très loin les laisser chez eux. Non, en revanche, ce qui est bon, c'est de se poser de temps en temps la question, quoi. Dire, voilà. Bon, mais apparemment, pour l'instant, toi, tu souhaites rester ici. Il n'y a pas de changement particulier. Et tu penses qu'il n'y a pas de raison particulière. En fait, si un jour, tu devais aller dans une maison de retraite, je crois que c'était Beaune-la-Rolande, il n'y aura pas trop de problèmes pour y rentrer, sans doute. Avec le grand âge, il y a aussi une perte progressive de capacité qui est certainement difficile à vivre. D'ailleurs, on la vit un petit peu, mais de très loin encore. Enfin, ouais, y a des petites choses qui marchent moins bien, forcément. On a des pertes. On a des pertes, voilà, des pertes. On peut plus conduire, on peut plus... Parfois des est-ce que de c'est mémoire, pas ça qui est le plus difficile à vivre? Est-ce que, comment tu le vis, ça, cette descente sur le plan des capacités, quoi? Bah, d'abord, ça se trouve normal. Ah oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas pour autant plus facile. Oui, vous avez de la chance d'être encore en assez bonne santé. Donc, bah, écoute, le père est assez gâté, finalement. Oui, mais c'est vrai, mais il n'empêche qu'il ne peut plus conduire, il ne peut plus monter sur la montagne. C'est vrai. Ouais. J'ai tâté un petit peu l'autostop, encore récemment, d'ailleurs. L'autostop. Pour aller à... Mais faut, il y a 5 km pour aller, c'est pas énorme. Il faut le faire en soutane, tu serais plus repérable. Je laisse mon successeur le faire en soutane. Voilà. D'accord. Finalement, Jacques, ton ministère, qui a été riche, qui a été vaste en 72 ans. 72 ans, tu en dirais quoi? Tu es heureux de ce que tu as fait? C'est une question à ne pas me poser. Émouvante, on voit. Je suis heureux. Ah, ben oui, c'est beau ça. J'ai été gâté. Puis je suis peut-être. C'est aussi mon tempérament d'être. Positif. D'être heureux et de semer un petit peu la joie autour de moi. Ouais. Donc vos paroissiens ont dû être heureux aussi de vous avoir alors. Ah ben, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont aussi mobilisés, mobilisés pour que tu restes là. Bah oui. Voilà. Bien. Ça a été quand même pour moi une joie d'avoir cette équipe de laïcs prenant à cœur le souci des prêtres
âgé. On n'est pas simplement utile quand on sert à quelque chose, mais même quand on sert moins parce que l'âge est là, on se sent accompagné, compris et soutenu. Il y a un aspect positif, là, je crois très très fort. L'évêque m'avait rappelé que j'avais fait 20 ans de plus que normal, puisque l'âge de la retraite est 75 ans. Alors l'évêque actuel, comme j'arrivais à 95 ans, m'a demandé d'arrêter définitivement, en acceptant que je reste là où j'habitais, par sympathie pour la population que j'ai servie pendant 20 ans, en me demandant de prendre quelques petits, tout petits services par rapport aux personnes âgées et par rapport à une maison de retraite. Si j'ai dit que je voulais être au service du Christ, c'est pas pour m'arrêter, hein. C'est pour aller jusqu'au bout, tant que je pourrais. Je m'étais aperçu que un certain nombre de prêtres n'avaient pas du tout préparé leur passage dans une maison de retraite, au fond, espérant tenir le plus longtemps possible. Et le jour où il y avait soit une maladie ou une chute qui n'était pas prévue, les prêtres étaient déstabilisés et puis nous avec, parce que rien n'avait été préparé. Qui aujourd'hui se demande s'il ne devrait pas rentrer en maison de retraite. Bon, je crois que c'était toi, François, qui l'avais rencontré. Ben, il a d'énormes difficultés de motricité. Ouais. L'année dernière, quand on l'a vu, il arrivait péniblement à arriver jusqu'à sa voiture. Ensuite, il pouvait conduire en se garant devant la pharmacie. Hein, et de temps en temps, il pouvait aller dire la messe. Et pas partout, il faut pouvoir se garer devant la sacristie. Alors là, Philippe Gauthier, le vicaire général, l'a vu il n'y a pas longtemps, et il semblait désireux. Ben, alors ce serait peut-être bien de retourner le voir quand même. Beaucoup de monde, quoi. Dans le diocèse d'Orléans, il y a environ la moitié des prêtres qui ont plus de 75 ans. Mais c'est, je crois, le cas en général en France. Hein. Alors ces prêtres qui ont plus de 75 ans, eh bien le droit canon nous dit qu'à 75 ans, un prêtre est invité à prendre sa retraite canonique. À prendre sa retraite, c'est-à-dire à ne plus assumer de responsabilité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'assume plus le ministère, bien sûr. On a deux prêtres qui étaient à la Maison Sainte-Anne, qui ont quitté la Maison Sainte-Anne pour aller à Nazareth. C'était un peu envisagé depuis l'été dernier, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Donc ils sont arrivés à Nazareth début décembre. Hein. Mmh. Avec Christine, on a eu l'occasion d'aller voir le Daniel, un prêtre qui est effectivement dans l'agglomération d'Orléans. Il n'y a pas eu de nouvelles particulières par rapport à la dernière fois, par rapport à la dernière visite. On était toujours... Mais l'important, c'est qu'il puisse dire un peu ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin. Et je pense qu'en même temps, c'est quelque chose qui m'a paru important parce que ça lui permettait, comme tu disais François, de reprendre contact et d'être toujours avec l'Église, même s'il a une activité ecclésiale très importante. Au moins là aussi, il avait une activité et il avait un contact avec l'évêché. Et je pense que ça m'a paru important dans le contact qu'on avait eu. Voilà. En fait, au moins, au minimum, une fois par an, ce serait bien de manifester pour voir où ça en est. La santé peut évoluer. Bah oui. C'est vraiment le minimum. Ouais. Ouais. Si notre évêque a voulu créer ce groupe, c'est pas d'abord pour les prêtres qui aujourd'hui sont dans une maison comme Nazareth ou qui sont des pauvres. C'est surtout pour les prêtres qui aujourd'hui sont isolés chez eux. Hein? Parce que lorsqu'un prêtre est isolé chez lui, il est parfois aussi isolé par rapport à l'Église. Et une personne isolée est toujours une personne qui est en danger, pas simplement là. Et donc c'est un peu pour eux principalement que l'évêque souhaitait qu'il y ait un lien qui soit créé. Lui, il ne peut pas visiter tout le monde, pas en permanence. Et donc il souhaitait qu'un lien, que lorsque les prêtres qui sont dans cette situation reçoivent l'un d'entre nous, ils savent que c'est un peu lui qui reçoit. Hein? Ma conviction profonde, c'est qu'il faut aider les prêtres à ne pas s'isoler. Et je crois que c'est aussi notre rôle, le rôle du diocèse,
de prendre soin de ceux qui l'ont servi, qui sont mis au service du Christ et de l'Église diocésaine. Donc l'Église diocésaine doit prendre soin de ses serviteurs, de ses prêtres. C'est ça qui est beau, c'est qu'on peut vraiment trouver pour chacun le ministère qui lui convient. À condition, évidemment, il ne faut pas que le prêtre soit trop exigeant. Mais je crois que dans un dialogue entre le diocèse, donc par l'évêque ou le vicaire général, ou bien par le CAPA, on peut vraiment trouver pour chacun ce qui lui convient. Venez, c'est par ici, par ici. Je suis le père Daniel Fouché, j'ai été ordonné prêtre le 29 juin 1953. J'ai donc 63 ans de sacerdoce et j'ai 87 ans. Entrez, entrez, entrez. Oh, voilà. Alors, vous arrivez au 316. Là, c'est sympa, c'est clair. Bon, alors Daniel, oui. On s'est déjà vu une fois, mais oui. On essaye de voir en prenant le temps. Effectivement, de voir comment chacun va, comment ça suit. Comment ça va depuis la dernière fois? Depuis que François est venu? Depuis que François, moi, ça va, oui, très tout à bien, fait. Moi, oui. Très bien, je suis très heureux ici, tu sais. Ouais. Comment vous continuez votre ministère, donc ici, en étant Aubelais? Quel est le ministère de Daniel? Le ministère de Daniel, ici, c'est d'être présent. Ouais. Pas aumônier. Je suis ici, dans ce foyer, et on était d'accord avec le père Faure, comme un prêtre résident. Je suis résident prêtre, non pas aumônier. Un curé, au début, on ne sait pas qu'il est curé. Et puis petit à petit, les gens apprennent. Ah merde, c'est un curé. Ah bon? Et puis quand ils ont un ennui, quand ils ont une épreuve, quand ils ont une question à poser... Ils savent vers qui se retourner? Bien sûr. Mmh. Et ça, c'est très important. Oui, en fait, vous continuez votre ministère partout où vous êtes. Voilà. Mais sans le dire. Mmh. On n'a pas le droit, quand on est dans un foyer laïque, comme ici, de faire de la propagande. Mmh. D'aller, puis de dire, ben, je suis le prêtre, hein, dis donc, si vous voulez, il y a la messe de la... Ah, non. Mmh. Il vaut mieux, à mon sens, ce que j'essaie de faire... bien malement peut-être, je ne sais pas, à Dieu de juger, eh bien, de voir chez la personne ce qu'il y a de beau et de bien, et les aider à retrouver le chemin de la foi. Pour moi, c'est ça. À bientôt. À bientôt, Daniel. Ah oui, Christine, à bientôt. Bah oui, à très bientôt. Oh, à très bientôt, on merci. Vous dira. Merci de votre visite. Bah, alors, revenez. Ok, pas promis. De problème. Lucienne, c'est le père Daniel. Alors, comment que ça va, ma Lucienne? Ça va. Ça va, Lulu? Oui. Ah, ben, tant mieux. Ça va mieux. Ah, ben, il y a Monique. Bonjour, Daniel. Ah, ben, vous avez votre garde malade, là? Ah, oui. Ah, ben, dis donc, dis donc. Heureusement qu'elle est là, hein? Heureusement qu'elle est là. Oh, ma pauvre Lucienne. Sinon, j'y serais plus. Appréhender la retraite? J'ai jamais appréhendé la retraite, moi. Le ministère que je faisais en tant que vicaire ou curé, eh bien... sans en parler, je le refais dans au foyer. C'est-à-dire que mon désir que les gens connaissent Jésus-Christ, il est toujours là. Et cela, eh bien, me donne un certain équilibre. Une bonne chose. Bah, exactement. Vous avez mangé, quand même? Oui, elle mange, oui. Puis j'ai apporté là, du pain de mie. Oui, oui, c'est bien ça. Il va être tout froid. Allez, à bientôt. Ma tête va manger. À bientôt, à bientôt. Être sur une voie de garage à un foyer, mais c'est pas possible, ça. Pour moi, c'est pas possible. Je suis pas sur une voie de garage. Je suis dans la ligne que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire mon ministère de prêtre. Je suis prêtre et je serai toujours prêtre. Jusque dans l'éternité. Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. Voilà, alors on va chanter, hein. Allez. Parce qu'il faut préparer l'ayant en val ce soir. Oui. Alors on commence. Quand je suis arrivé ici, le directeur de l'époque, Monsieur Martin, m'a dit « Est-ce que vous voulez bien prendre le chant ?» Je dis « Ben oui, si ça vous rend service, je veux bien. » Et on a fondé avec 4 résidents, eh bien, ce groupe des Rossignols.
Alors actuellement, on est une quinzaine. Des gens qui aiment le chant, des gens qui viennent, et quatre fois la semaine, que ce soit le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 4h à 5h, eh bien, on répète les vieilles chansons françaises. L'atelier de couture est en fête, on oublie l'ouvrage un instant, car c'est aujourd'hui que Marinette vient juste d'avoir ses 20 ans. On va à l'Aïe-en-Val, eh oui. À la maison de retraite de l'Aïe-en-Val, et là on va apporter un peu de joie et d'amitié à ceux qui sont toujours en maison de retraite et immobilisés par leur handicap ou leur maladie. Oui. Ils sont en fauteuil roulant, c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop en avance. Pourquoi ? Parce qu'il faut descendre les malades dans le salon de la maison de retraite pour qu'on puisse chanter et puis prendre contact avec eux. Alors on va essayer ensemble pendant quelques instants, pendant une petite heure, on va essayer ensemble de découvrir la Sologne. À cœur bien les patries chères, ma voix troublera les échos. Si je chante en levant mon verre, la Sologne et les Solognons. Allez, voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère? Oh, on peut s'applaudir, hein? Oh là 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 là! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Allez, à notre santé à tous, hein? Allez, à bientôt. Trigne, trigne, trinquons gaiement, c'est l'amour qui nous convie. Trigne, trigne, tout est charmant, quand on sait prendre la vie. Un peu de rêve, un nectar savoureux, ça suffit pour être heureux. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tenez en éveil la mémoire du Seigneur. Ne prenez aucun repos. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Père François Maupus, ordonné prêtre le 20 octobre 1964, ordonné évêque à Verdun le 30 avril 2000. Le passage à la retraite, un ministre ordonné de l'Église qui passe du temps de la responsabilité au temps de la moindre responsabilité. Et c'est vrai que prêtre ou évêque, on est un peu dans les mêmes conditions, avec quand même une grosse différence, c'est que j'étais évêque à Verdun et je reviens à la retraite à Orléans, dans un lieu où je connais du monde, mais qui a beaucoup changé pendant mes 15 années d'absence. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur. Alain Marx. J'ai été ordonné en 1963, j'ai 78 ans, et ça fait donc 53 ans que je suis prêtre.
Quand j'ai eu 75 ans, puisque c'est la limite d'âge, mon évêque m'a dit bah, tu peux prendre ta retraite si tu veux. Enfin, donc j'ai pris ma retraite en venant ici à Béthany. On a la chance de se retrouver chaque jour à 9h pour dire l'aude ensemble, pour dire la prière ensemble. C'est une belle richesse. Cette maison de Béthany, c'est un lieu de vie où des prêtres peuvent exister. C'est une sorte de foyer-logement dans lequel chacun a sa vie, a ses responsabilités. Non, c'est une belle maison, c'est un beau projet que le diocèse a fait, d'essayer de permettre aux prêtres âgés de vivre leur vie simplement. La nouvelle étape pour moi, ça a été d'entrer dans ce projet de la maison de Béthany. Là, j'y suis entré parce qu'on m'a, orienté vers ça. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi me retrouver dans un presbytère. Mais c'est vrai que presbytère en campagne, je me suis dit, on m'a dit, au bout de 6 mois, c'est l'ennui. Nous nous sommes aperçus qu'en fait, il n'y avait pas de logement intermédiaire pendant la période pendant laquelle nos prêtres qui sont à la retraite pouvaient résider dans un lieu plus adapté, en communauté, tout en ayant une part d'autonomie et d'indépendance assez importante. D'où la décision de notre évêque de nous demander de réfléchir à ce projet d'aménagement à Béthany. Et puis on va déplacer le radiateur pour... C'est un habitat intermédiaire permettant à des prêtres à la retraite, donc à partir de 75 ans, de pouvoir résider tant qu'ils sont encore valides. C'est un ensemble immobilier de 1300 m², 21 logements, dont 9 destinés aux prêtres et 11 à la location. Actuellement, nous avons déjà 3 prêtres résidents depuis un an et demi. Et puis, progressivement, une fois que l'ensemble du bâtiment principal sera terminé, nous espérons accueillir 6 nouveaux prêtres dans cet ensemble. Là, on arrive dans la dernière étape et on est en train d'aménager les abords avec l'espace qui est réservé aux prêtres, qui correspond à toute cette partie, et puis l'espace réservé aux locataires. Aux locataires, et du coup, là, la séparation, elle va être à peu près par ici. La séparation, elle va être ici, pour réserver le maximum d'espace pour les prêtres. Pour moi, il était important d'avoir un prêtre dans notre groupe de travail, et puis un prêtre qui connaisse très bien le diocèse. Puis, on va enlever juste le parterre qui est devant. Souvent, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes points d'attention. Les espaces communs, faut-il qu'il y en ait beaucoup ? Ben, pas trop, parce qu'en tant que prêtre diocésain, ce qui est important et ce qu'il faut privilégier, c'est la cuisine. Parce que là où nous avons notre vie commune, c'est bien souvent au moment des repas. Donc une cuisine, une salle à manger, un petit salon qui soit attenant, c'est important. C'est le lieu principal. Donc là, on arrive dans l'espace de vie commun, avec la salle à manger et le salon, comme tu l'avais proposé. Hein, donc c'est séjour salon qui donne sur le jardin. Il y aura bien la terrasse qui sera ici. Et puis on arrive dans le salon commun. Donc un espace de vie commun, c'est important pour les prêtres. C'est ce qu'ils nous avaient demandé, hein, tu te souviens? Oui, et puis avec du coup la porte qu'on a percée pour arriver sur le directement sur la terrasse. Direct, sur la terrasse. Voilà. Et puis que ça soit associé à la salle à manger. Voilà, parce que c'est après c'est le café, on peut venir se déplacer. Mais voilà, nos temps de convivialité, ou les temps de convivialité, c'est quand même souvent lié au moment des repas. À 75 ans, on est encore en activité. On a envie de recevoir une équipe de liturgie, une équipe d'action catholique sur laquelle on est engagé. Et là, des appartements, c'est compliqué de recevoir chez soi. Donc avoir une petite salle de réunion, de rencontre, où des prêtres âgés peuvent accueillir une équipe sur laquelle ils sont encore actifs, eh bien là aussi c'était un choix qui était intéressant, plus qu'un grand salon moelleux. Souviens-toi, à la réunion, un de nos prêtres nous avait demandé une salle de remise en forme pour mettre un vélo d'appartement. Oui. Personne n'y a cru, tout le monde a rigolé, mais on lui a fait, et c'est important. Donc on a une salle de remise en forme ici, qui donne sur le couloir. La porte sera également vitrée. Mais au moins, voilà, ça permet de mettre un vélo... Un vélo d'appartement. Alors c'est quoi? Parce que je n'entends pas, là. Bien sûr. Tous nos tarifs sont TVA comprises.
La retraite, c'est une nouvelle étape de vie, hein. C'est une étape. Au cours de sa vie, on vit plusieurs étapes. Hein. L'étape de la découverte, il y a l'étape de la responsabilité. Là, je crois qu'on est dans, je suis dans une étape de mûrissement des choses, de mûrissement dans l'intérieur, de sentir ce qui se passe. Et ça me réjouit d'être proche de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se joue en ce moment dans la vie du monde, hein, dans beaucoup de choses. Je lis pas mal, enfin je lis, non pas mal, un petit peu, mais ça m'aide aussi à approfondir. On est bien nourri par le pape qui nous écrit un bouquin tous les 8 jours, et par notre évêque aussi qui s'y met sur la fraternité. C'est souvent que le soir, je dis la prière ici, des fois, puis des fois je m'endors. L'autre jour, comme ça, je m'étais couché, enfin je m'étais couché, non, je m'étais mis pour dire les vêpres, ou non les complis, et puis il devait être, je sais pas, 10h15, et puis je me suis réveillé à 4h. Voilà, c'est ça la retraite aussi. L'évêque, il est sur le pied de guerre 24h sur 24. Aujourd'hui, je savoure en effet le fait de ne plus être à courir, hein, d'être sans stress, comme aimait à le dire un de mes confrères évêques. On est occupé sans être préoccupé. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout sans rien faire, et tant que je le peux, ben, je suis heureux de me sentir utile, et même d'avoir un retour. Hein, le fait d'aller célébrer en paroisse régulièrement, donc c'est sympathique, les sorties de messe de paroissiales, quand les gens commencent à vous connaître un petit peu, on fait partie du groupe, de la communauté. Ça me semble une bonne disposition disciplinaire de notre Église que de demander de quitter les responsabilités à 75 ans parce que à 75 ans, je me refais une vie nouvelle. Je ne suis pas du tout sûr qu'à 80 ans, je pourrais me refaire à une vie nouvelle. Dans la paroisse, on m'a demandé d'accompagner le service évangélique des malades, d'accompagner la préparation au baptême. Je suis pratiquement à toutes les réunions de préparation au baptême. D'accompagner des couples au mariage, pour avoir une dizaine de mariages en préparation. D'accompagner, voilà, enfin, plein de choses comme ça, quoi. Après ça, je ne confessais pas beaucoup, mais maintenant, j'ai été appelé à aller à Notre-Dame des Miracles, qui est un lieu de passage, je dirais un petit peu une cour des miracles, et pour pouvoir aller y confesser pendant un bon bout de temps, chaque lundi. C'est vrai que quand on va à Notre-Dame des Miracles, on rencontre des gens de toutes sortes. Des gens qui viennent faire le point dans leur vie, des gens en très grande difficulté, des gens qui ont des problèmes qu'on aurait du mal à démêler. Non, c'est vraiment passionnant. On se sent vraiment serviteur de la miséricorde du Seigneur qui s'adresse à eux, à travers nous. On est des instruments inutiles, mais qui servent quand même à quelque chose. Et puis, c'est passionnant et ça nourrit ma prière aussi, parce que quand on a des rencontres comme ça, on porte ça dans la prière. Hein.
quand a approché l'âge, les 75 ans, l'âge de la cessation de responsabilité, j'en ai parlé à Mgr Blacard, l'évêque d'Orléans, en lui disant que je me mettais à son service, dans la mesure de ses besoins et de mes possibilités. Et c'est là qu'il m'a dit, eh bien, il y a un enseignement à assurer au grand séminaire. C'est un enseignement de la liturgie, pas très très lourd, puisqu'il s'agit d'une heure d'enseignement par semaine, et puis du temps de la préparation, bien entendu. La prière eucharistique tournée vers le Père, ça mène en disant au Père, c'est par toi, c'est par lui que nous recevons tous ces biens. Et la doxologie, par lui, notre louange monte vers toi. Doxologie où on remonte vers le Père, par lui, avec lui et en lui. Si vous voulez passer un papier que je vous donne, qui sera le dernier du jour, je fais ce que je peux pour les initier à l'Église, dans un climat que je pense être un climat de sympathie, marqué forcément par mon expérience. On peut pas... je raconte un peu ce que j'ai vécu. Si tout n'est pas à base de petites histoires, c'est vrai que mon enseignement tient compte aussi de ce que j'ai vécu pendant 60 années et plus. Cela dit, je n'arrive pas avec une expérience dans mon sac. Hein. J'arrive un peu les mains nues devant eux, je découvre des choses que je partage avec eux, qui me rappellent ce que j'ai vécu, et je leur dis voilà ce que ça a donné dans ma vie. Toujours est-il qu'il va un peu plus parler parce qu'il est protégé, et c'est ce qui va amener à la connaissance de cette hérésie qui va un peu se répandre. L'expérience que j'ai n'est pas reproductible par eux. C'est important de pouvoir plonger par contact régulier dans ce qu'était la vie d'Église il y a 60 ans, ça je peux en témoigner. Et leur dire voilà par où on est passé. Et donc d'enraciner un peu aussi leur propre vie en Église. D'accord, très bien. C'est quelle prière eucharistique qui a eu la plus utilisée? La plus utilisée, oui. C'est la 3 actuellement. Ce qu'on voit, c'est que Sainte Marie en Trastevère. Oui. C'est une erreur. Je ne cherche pas à être le vieux sage qui a quelque chose à leur dire. Mais j'ai traversé des choses, je leur en parle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Les prêtres âgés, ils apprennent aux plus jeunes, mais même au peuple de Dieu, l'humble fidélité. Voilà, quand on voit un prêtre arriver à la fin de sa vie, voilà, qui a toujours été fidèle à la prière, à l'amour des gens, au désir de construire quelque chose avec eux. Voilà, on se dit, c'est cette fidélité-là, elle nous entraîne. La deuxième chose, c'est que la présence des prêtres âgés nous rappelle l'importance, effectivement, de la vulnérabilité dans un monde où il faudrait être toujours au top, efficace, et avec le risque, d'ailleurs, c'est de rejeter ceux qui ne le sont plus. Ce sont des jumeaux, 90 ans tous les deux, on peut les féliciter. Attends, je vous embrasse. Joyeux anniversaire. Bravo. Attention, à la une, à la deux, à la trois. Oui, bravo. Bon, voilà. Pauvre Yves, va là-bas, oui. Père Louis Basseville, ordonné le samedi saint 1949, j'ai 67 ans de sacerdoce et j'arrive à 90 ans. Bonjour.
J'ai jamais été en retraite, restant dans ma chambre à lire des livres et à ne plus rien faire. C'est seulement à 90 ans qu'arrivant en EHPAD, je me pose la question de passer de la vie active à la vie retraitée. Quoi de neuf ? Vous ne me voyez pas ? Est-ce que comme ça, vous me voyez mieux ? Oui, un peu. Un peu mieux ? Oui, un peu. Tout va bien ? Oui, dans le meilleur des mondes ? On fait avec. Ben voilà, c'est sage. On voit des bonnes nouvelles, les enfants ? Les enfants vont bien, oui, c'est gentil. Nazareth est une maison de retraite qui est déterminée comme un EHPAD. C'est le E comme établissement, H hébergement, puis PAD, personne âgée dépendante. Et donc Nazareth s'inscrit dans le groupe de toutes les maisons de retraite et plus particulièrement pouvant accueillir des personnes qui ont besoin de médicalisation. Nazareth est un établissement de taille moyenne qui comporte 77 résidents. Et parmi ces 77 résidents, nous avons une quinzaine de prêtres. Ces chambres sont dédiées pour le diocèse et c'est le diocèse qui décide quel prêtre va venir dans nos chambres. Bonjour, mesdames. Bonjour, Monsieur Zambon. Oh, vous êtes là de bonne heure le matin. Oh, toujours. Vous vous levez de bonne heure. Père Guy Sampo, ordonné en 1948, 68 ans de sacerdoce, j'ai 93 ans. Bonjour, bonjour. C'est Alice. Ça va? On se repose? Il y a plein de pères ici. Plein de pères. Bonjour, Michel. Eh bien, monsieur... Quand j'ai été à la retraite, il a fallu faire une expérience originale, nouvelle. C'est pas la même chose de préparer et d'être. Le nouveau, c'est de vivre 24 heures sur 24 avec des malades, des gens dépendants. Quand un prêtre fait des visites malades, il revient chez lui après et il est dans son milieu. Ici, on a un certain nombre de contraintes que nous vivons tous et donc je partage cette dépendance. Sans me dire, ben c'est comme ça que je serai plus loin. Pour moi, il y a un principe de progressivité. J'essaye de vivre au jour le jour et je trouve que le nouveau, c'est pas d'anticiper, c'est de vivre le temps présent. Vous avez entendu de quoi il s'agissait ? Je l'ai su, il y avait encore une minute, je savais, puis hop, c'est parti. Bon, il s'agit de nous dire ce que nous attendons les uns des autres, prêtres et laïcs, laïcs et prêtres, ce que nous pouvons nous apporter les uns aux autres. Merci. À la maison de Nazareth, nous avons demandé à être le plus possible en contact avec des laïcs. Non pas faire bande à part entre prêtres, mais d'être mêlés aux autres, aux laïcs. Il nous arrive de découvrir des gens très différents d'origine. Mais si on essaye d'être à l'écoute, il y a toujours quelque chose à recevoir. Si on essaye de s'intéresser à ce qui intéresse les interlocuteurs, je pense qu'il y a toujours quelque chose à partager. Si je rends un peu plus la vie humaine, je crois que je vais toucher l'Évangile. Et voilà. C'est ça mon... Ça, c'est un petit peu ce que j'ai toujours essayé de vivre dans les presbytères ou les lieux où j'étais. C'est un peu ma vocation d'aider les autres à
se trouver aussi bien que possible là où ils sont. Elle est jalouse. Aïe, 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 je vais vous embrasser tout à l'heure. Là. Allez, on va là-bas. Au goûter. Je crois que derrière le grand âge, au fond, c'est une nouvelle expérience spirituelle qui va être demandée de vivre aux prêtres ou aux évêques. Et notamment, l'abandon... Alors voilà, là, on va retrouver des dimensions spirituelles, l'abandon confiant, le lâcher-prise, le renoncement aussi, le... Enfin, c'est des mots de l'Évangile, hein, Jésus qui parle du renoncement, Jésus qui parle de perdre sa vie, voilà. Donc à ce moment-là, il y a une véritable expérience spirituelle à travers l'expérience corporelle de perdre ses forces, de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait hier. Parfois, le prêtre qui, en plus, a été très autonome, donc en disant « je m'assume », quoi. Et du jour au lendemain, il faut qu'il accepte d'être en maison de retraite, dépendant d'horaires, d'une vie commune, qu'il a quelque part, qu'il a fui parfois toute sa vie. Là, on a tout le cocktail pour que le prêtre soit amené vraiment à un renoncement. Merci. Ils ont encore, même avec leur grand âge, une pastorale à accomplir. Cette messe de 11 heures, d'ailleurs, montre bien l'importance qu'ils ont dans la maison, puisque depuis que nous avons mis en route la messe quotidienne de 11 heures, on a entre 20 et 30 personnes du quartier qui viennent tous les jours. Donc ça fait un petit peu comme si on avait recréé une petite paroisse de quartier qui n'était pas prévue au départ, mais qui apporte une couleur particulière dans la maison. En arrivant à la chapelle tout à l'heure, quelqu'un du service a dit « Vous pensez à prier pour nous ? Nous prions en effet les uns pour les autres, les résidents, le personnel de service, les bénévoles. Nous sommes tous unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Les gens savent que si à 95 ans, je tiens encore le coup, c'est parce qu'il y a eu la montagne. La marche a été toujours pour moi une détente, un repos, et puis une bonne aide à la prière, d'ailleurs, oui, aussi. Non, je ne m'inquiète pas pour l'avenir, on verra. Le mot « mort » signifie « rupture avec le passé ». Alors que le mot « passage » signifie « je vais ailleurs ». Dans le mot « passage », c'est changer pour aller vers autre chose. On change, mais on découvre. Je crois que Enfin, c'est vrai qu'en montagne, le mot « passage », ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que je vais trouver ? Qu'est-ce que je vais trouver ? Je tourne le dos à un certain nombre de choses, mais je vais découvrir quelque chose. Je rencontre des gens qui disent « Ah, la mort va venir, mais ce sera enfin voir le Seigneur face à face. » Je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là parce que je ne sais pas du tout
ce qu'il y aura après la mort, je me réserve la surprise, d'une certaine manière. J'accompagne beaucoup de gens qui vivent ce chemin vers la mort. Et bon, c'est sûr que c'est pas une question qui me préoccupe aujourd'hui, parce que je crois que c'est être avec le Seigneur pour toujours, mais c'est de continuer la route, hein. C'est de continuer pour toujours dans le chemin sur lequel on est embarqué. La mort, c'est... on compare souvent la mort à la naissance. Avant de naître, je n'imaginais pas ce que ce serait d'arriver dans le monde à Neuville-aux-Bois à la veille de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, avec un père parti à l'armée, etc. Bon, je ne savais pas. Et je prolonge la comparaison, peut-être indûment, mais à la mort, bon, nouvelle naissance, mais saut dans l'inconnu. J'ai accompagné mon papa il n'y a pas longtemps, à 102 ans. Mon grand-père, il avait 103 ans, donc on est bien parti. Et je me dis, on peut peut-être encore du temps pour vivre. Si c'est demain, ça ne me gêne pas du tout. Mais alors, je n'ai pas peur du tout d'avenir. Comment je m'y prépare? Je ne m'y prépare pas spécialement. Je vis l'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'essaye de vivre l'aujourd'hui qui m'est offert et de le vivre le mieux possible, quoi. J'ai confiance que le Seigneur me prendra avec lui. Une confiance, un peu la confiance d'un enfant qui est viscéral vis-à-vis de ceux qui sont aux alentours, donc ses parents. Une confiance que la vie a un sens, une confiance que tout ce en quoi j'ai cru est vrai, mais cette confiance, c'est quand même l'aveu d'une faiblesse. C'est plus une demande qu'une affirmation. Personnellement, j'ai un peu peur de la mort. Alors peut-être que je l'occulte sous mon activité. Je sais que la rencontre, c'est beau ça, l'heure de la rencontre viendra. Viendra-t-elle subitement? Viendra-t-elle à travers une longue dépendance? Je n'en sais rien du tout. Pour le moment, vis le jour d'aujourd'hui, remets-toi entre les mains du Seigneur, essaye d'approfondir ta rencontre de Jésus-Christ, et si tu approfondis ta rencontre de Jésus-Christ, alors il te rencontrera au moment voulu. Alors Jean, comment il va, Jean? Ça va. Il faut prendre le jour à vivre. Exactement. Et on verra le demain. Ça, c'est de la sagesse. Non, mais c'est très bien de dire ça. On est obligé de se reposer parce qu'on est vieux. T'es pas vieux, toi, mais nous, on est vieux. J'ai 91 ans. Mais à côté de Guy, vous êtes un jeune, hein? C'était plutôt en deuxième année? Non, première année, moi je comprends pas. J'avais acheté ma soutane avant d'entrer au séminaire. Parmi les nouvelles, hein, on a fait une après-midi de formation sur le sacrement de réconciliation. Voilà, il y a une trentaine de prêtres, hein. J'aurais dit, on a du chemin à faire, c'est pour l'initiation, parce que le rituel le demande explicitement, mais trop peu de gens se confessent avec la parole de Dieu. Il y a eu un seuil lorsqu'on a dit ne vous attardez pas uniquement au commandement de Dieu et de l'Église. Pensez qu'il nous est demandé deux choses, aimer Dieu, aimer les autres. Arriver à permettre... Ils font partie du presbytérium. Et donc, il faut qu'ils se sentent responsables avec les autres prêtres de faire vivre le presbytérium. Alors, avec la question, évidemment, demeure. Après, moi, quand je suis à Nazareth, j'insiste souvent là-dessus en disant il y a différentes façons de servir. Et notamment, je leur dis, je vais vous charger d'un ministère. Et c'est le ministère de la prière. Mais c'est le plus beau. Et c'est le plus nécessaire.
S'il n'y a plus de prière, là, il n'y a plus de mission. Les prêtres ne pourront plus annoncer l'Évangile. Enfin, c'est ce qui tient l'Église. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un petit beignet. Oui, merci. Super. Connaissez-moi ça. Dans ma qui veut un petit beignet? On est du cahier. Bonjour, mesdames. Ah ben moi, je prendrais bien comme eux, là. C'est quoi? C'est un petit fond de grenadine avec de l'eau, c'est parfait, ça. Ça sera très bien. La menthe, hein? Oui, d'accord. Ah, mais Jean, je vais vous laisser la place. Mais vous allez vous mettre où? Mais bougez pas. Mais attendez, je vais chercher une chaise. Bon, ça va, je vais aller chercher une chaise. Oui, ça va. Je sais qu'un certain nombre de laïcs âgés, malades, handicapés, et donc aussi de prêtres âgés, malades, me portent vraiment dans leur prière. Je le sens. Je leur dis parfois, je dis à l'un ou l'autre, je dis, vous êtes mon paratonnerre. Voilà.